Voltage. Le canular de Jordan Deluxe. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est bien le magasin qui vend tout en électrique? Oui, tout à fait. Je vous appelle parce qu'il m'est arrivé une saloperie pour Noël et j'ai besoin que vous m'aidiez. Dites toujours, je vais essayer. Bah, je sais que ça fait un petit bout de temps que Noël est passé, mais quand même en ce moment je rumine, je vous explique. Une fois tous les 4 ans, faut savoir qu'il y a ma grande tante de Paris qui descend et à chaque fois elle nous fait des cadeaux de ouf parce qu'elle a plein de pognon. Donc du coup, ma mère m'a dit, mets le paquet parce qu'à mon avis, elle va te faire plaisir. Donc je lui ai acheté une trottinette électrique. Oui. Elle m'a offert une bête morte empaillée. D'accord. Mais c'est pas rentable, vous êtes d'accord avec moi? Oui, a priori non. Je vous confirme, c'est pas rentable. Donc moi, je voudrais vous apporter la trottinette pendant qu'elle est pas là cet après-midi et que vous me la traficotiez pour que soit elle parte à l'envers, soit vous me boostez le moteur pour qu'elle décolle quand elle démarre. Déjà, ça peut être un peu dangereux. Vous avez pas compris que c'est le projet là? Je suis habilité à réparer une trottinette, mais pas la détruire malheureusement. Alors est-ce que vous pourriez juste me passer un vendeur un peu moins honnête que vous? Alors allez-y, passez-le moi. Et un bon escroc, hein, le pire du magasin, que quand elle monte sur la trottinette, on l'appelle Speedy Gonzalez. Excusez-moi. Ah, ça a changé de voix. Bon alors c'est bon, c'est le bandit, c'est l'escroc, c'est le trafiqueur de trottinettes, c'est le tyran des moteurs électriques. Ouais. Bon si je vous la porte sa trottinette, là, vous me la flinguez? Ah bah là c'est bon, elle va la pousser. Mais non, mais je veux pas que le moteur marche plus, je veux qu'elle se fasse défriser le brushing quand elle prend la trottinette. Je veux que ça pulse. Oui, vous en faites pas. Mais vous êtes bon, vous, dans l'escroquerie, dans la modification de moteur? Parce que moi, je veux que ça parte en avant, en arrière, je veux que ça parte de tous les côtés. C'est quoi votre petit nom dans le milieu? Bah, la grosse merde. Ah, bah, on doit être de la même famille alors. Tu m'attends, j'arrive. Pas de soucis. Oui, bonjour. Oui, vous êtes la dame de l'accueil. Oui. Celle qui est gentille. Peut-être. Moi, je vous appelle parce qu'on a une très bonne nouvelle pour vous. Oui, j'ai gagné au loto. Non. Vous savez que Catherine Laborde est partie? Oui. Eh ben, vous avez été sélectionné pour la remplacer. Oh bah, ils vont pas être déçus du voyage, moi je vous le dis. Hein. Pourquoi ça? Parce que alors moi, la météo, ça fait 12. Hein. Ah, ça donnerait quoi un bulletin météo? Va faire super soleil. Non mais t'es complètement décalé, c'est pas possible, faut sortir de ta grotte. Hier encore, il faisait zéro, on est en janvier, ça va pas non de dire qu'il fait soleil? C'est la catastrophe, on est sur des super mauvaises bases là. Faut mettre la musique de TF1. Oui, bah je vais te mettre le générique de TF1, mais je sais pas si ça a changé grand chose. Bon, accroche-toi, c'est parti. Voilà, allez-y. La météo. On y va. Aujourd'hui, beau soleil, moins 15 degrés pour tout le monde, donc tout le monde reste chez soi. Mais non, mais dis pas qu'il fait beau soleil alors que ça fait 3 semaines qu'on a un temps de dépressif. C'est pas possible, faut que t'apprennes la météo avec quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un d'autre? Oui, il faudrait y avoir ma belle-sœur. Ah, elle est comment? Blonde. Elle a 10 sur 10 à chaque œil pour la carte? 2 œils de verre. Bon bah au pire, on peut se rattraper sur la culture géographique. Bah elle est comme moi, elle est nulle. Bon, Catherine Laborde, elle est partie pour laisser sa place aux jeunes. Elle fait jeune, votre belle-sœur. Elle ressemble à qui comme star, par exemple? Claudia Schiffer. Ok, on est mort. Quoique du coup, elle a un physique de radio. Hein. Bah on va vous l'envoyer à Voltage. Ah la coquine, je t'avais pas vu venir toi, t'as l'air connu depuis le début. Oui. C'est la salle de sport de Sergi? Oui, bonjour. Oui, je voulais savoir si vous aviez reçu des poids de 2 kilos, parce que je suis passé hier, il n'y en avait plus. Poids de 2 kilos? Oui, et du coup j'ai pas pu faire mon sport chez moi. Attendez, vous appelez à la salle de sport et vous venez chercher des poids chez nous pour chez vous? Bah ça fait longtemps que je le fais. Ah bon, vous êtes qui? Bah moi je suis abonné chez vous. Et vous prenez des poids de chez nous pour les amener chez vous? Bah bien sûr, vous êtes pas ouvert la nuit, il faut bien que je fasse mon sport le soir. Bah c'est interdit. Ouais mais je paye. Mais vous payez pour vous entraîner dans une salle, vous payez pas pour prendre le matériel et vous entraîner chez vous. Mais vous êtes pas ouvert la nuit. Mais aucune salle n'est ouverte la nuit enfin. Mais c'est pour ça que je vole les poids chez vous. Alors s'il vous plaît, refaites une commande de poids de 2 kilos que je vienne les chercher, sinon je vais encore être obligé de me muscler à la boîte de conserve. Excusez-moi les poids de... Non bah alors là c'est du délire. Alors là, on tombe vraiment dans le délire. Et en plus, je vous paye un abonnement, alors faut bien que je le rentabilise. Ah bah oui, bien sûr. Non mais si vous voulez, vous savez quoi? Moi, j'ai une livraison de serviettes qui arrive, je vous file les cartes de temps et je vous les livre directement. Bah, je vous ai pas attendu pour prendre les serviettes aussi. Hein. Non mais attendez, non mais ça va pas là, on va où hein? D'ailleurs, faut que vous mettiez du savon dans les douches parce que moi, il faut que je recharge mon porte-savon à la maison. Bah non mais alors là, c'est abusé, non mais vous rendez compte? Moi, j'ai demandé à ce que ça soit surveillé. Oh là là, bah, passez-moi la responsable. Bon. Oui, je suis en train de me faire engueuler parce que je vole les poids chez vous pour qu'on puisse faire du sport avec ma sœur parce qu'elle veut pas payer l'abonnement, mais faut bien qu'on en fasse la nuit, nous. Comment ça? Mais faut pas faire ça. Oh, vous êtes vraiment pas cool, hein. Vous voulez me demander quoi, là? Qu'on remette des poids pour vous en ramener chez vous, c'est ça? Ah non, ma sœur, elle m'a dit, mais pourquoi tu les leur revendrais pas, la salle de sport? Mais moins cher. Du coup, ça rentabilise le forfait. Je me suis fait avoir comme une... Oh, mais ta collègue aussi, t'inquiète pas. Pourtant, j'ai fait le gros lourd, hein. Tu peux venir parce que t'es un gros lourd. Tu seras le bienvenu, toi et tes poids de 2 kilos. C'était le canular de Jordan Deluxe sur Voltage.